Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous étonner. Elle marchait avec un homme qui avait des pieds sabots. Hein? Des pieds en forme de quoi? Des sabots comme ça. Juste comme ça. Waouh! Écoutons son histoire. Bon, il y avait un jour, j'étais partie, j'étais rentrée au village. Maintenant, je rentre au village, il y a ma tante non loin de là, qui m'invite chez elle, peut-être à 500 de l'endroit où j'étais. Je suis partie au petit village, là, j'étais avec mes cousins, mes cousines. Il y avait l'une de mes cousines, parce que dans cette ville-là, il y a l'aéroport à côté. Il y avait l'une de mes cousines là qui travaillait à l'aéroport, avec qui on s'entendait beaucoup, car son âme est même bien décédée. Donc, elle était là autonome. Donc, moi, je faisais encore rien à la vie, donc je me cherchais. Ce temps-là, elle était là autonome. Donc, ce qui fait que je perdais mon temps comme ça en attendant, trouver quelque chose à faire et tout ça. Donc, elle avait les gars. Elle avait les gars et tout ça, différents gars. Un jour, elle rentre du travail, elle ramène un groupe d'amis. C'était les gars de la Sonel. Bon, les gars qui voyagent souvent aller planter les poteaux dans d'autres villes là. Donc, c'était les gars de la Sonel. Maintenant, elle rentre avec eux un jour. Elle me dit que lave-toi vite, tu t'habilles, on sort, on va aller boire. Je dis que, ok. Comme je ne faisais rien, et ok, je me lave, je m'habille, puis on sort avec eux. On a passé la soirée, tout était bien, on s'est présenté, tout ça. Pendant qu'on causait, ce monsieur était géant, costaud, il portait toujours des grosses chaussures sur ses pieds. Il portait des grosses chaussures, il avait des grosses mains, il était trop géant, il m'avait l'air un peu bizarre. Mais le monsieur s'intéressait, et c'était lui qui draguait ma cousine. Et il s'intéressait beaucoup à moi, parce qu'il prêtait toujours attention à ce que je disais. Il me regardait beaucoup, la façon dont je souriais, mes faits et gestes. Il était très attentif à mon égard. Donc, il me regardait trop. Il était peut-être passionné de moi, je ne sais pas. Et il m'inspirait quelque chose de pas normal. Bon, bref, je dis que ah, ce sont ses connaissances, moi pour moi, et quoi dedans, je reste, je bois ma chose, les confinés, on rentre. C'est là alors que il me disait toujours, et quand on blaguait dans les discussions, il me disait toujours que ah, vraiment, tu es très belle et ta beauté n'est pas seulement extérieure. Mais tu as une beauté intérieure, tu as un petit truc là en toi, tu as un petit truc là en toi, toi-même tu ne connais pas. Je dis que j'ai un truc là en moi, il y a quoi? J'ai quoi en moi? Je dis que laisse, tu ne peux pas voir ça parce que tu n'as pas les yeux pour voir. Ah. Quand il me dit ça, il dit dans mon cœur que, ah, n'est-ce pas que j'ai dit tout à l'heure dans mes pensées que le gars, s'il n'est pas simple, que moi je ne peux pas voir que j'ai quelque chose en moi, comment? Il était toujours en train de dire ça, en train de dire ça. On a passé la soirée, on est rentré très bien, sans aucun souci. Alors, il demandait donc mon numéro à ma soeur. Le lendemain, ma soeur rentre, il me dit que, mais, mon ami a demandé ton numéro, mais moi, je ne lui ai pas donné. On ne donne pas le numéro des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe entre toi et lui? Moi et lui, n'est-ce pas qu'on a passé la soirée là? Est-ce que quelque chose s'est passé entre nous? Il dit que, ah. Peut-être c'est comme s'il est trop intéressé par toi. Et s'il est trop intéressé par toi, moi c'est un gars même des buvettes, tu es intéressé. N'est-ce pas que tu acceptes et tu manges son argent? Et que est-ce qu'on mange l'argent des gens comme ça? Depuis que tu m'as vu ici, si tu m'as vu avec quelqu'un, pardon, moi je ne veux pas les situations bizarres. Je suis bien comme je suis et les parents encore prennent bien soin de moi en attendant que je trouve quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin, même pas d'abord le moment pour moi. Il faut d'abord que je sois autonome avant de dire que je vais chercher une amitié solide ou quoi. Tu sais ce que moi, je me méfie beaucoup des gens. Je me dis que ok. Ok, ah, ça c'est votre problème, c'est entre nous parce qu'il n'y a rien entre nous. Et je dis ok. Quand elle m'a dit ça,
J'étais d'abord un genre. Et quand il partait toujours, parce que ma tante dans cette ville-là, elle avait un petit restaurant. Quand il partait dans le petit restaurant, il me demandait toujours. Et quand je venais, il sentait. Et quand je retournais, quand je venais là-bas au restaurant, ma tante me dit que merde, tel monsieur l'a demandé après toi peut-être 4 ou 5 fois. Il commençait à dire, aïe, monsieur, s'il veut quoi derrière moi, 4 ou 5 fois, tu me cherches, il veut même quoi derrière moi. J'ai commencé à avoir peur de lui. Donc, à chaque fois qu'elle rentrait, elle disait que lave-toi vite, on part. Je dis qu'on part où? On part retrouver les gars de l'autre jour, on va aller boire, on va aller manger. Je dis que non, moi je ne pars pas. Je ne veux pas, je ne pars pas. Elle me dit que ouais, tu ne veux pas aller te distraire. Tu as passé toute la journée ici quand je n'étais pas là. Bon, demain on va aller à l'aéroport ensemble. On va partir une fois avec eux. Je suis là, non. Tu as peur de quoi? Je dis que non, moi je ne veux pas. Tes gars là sont trop bizarres. Entends ça comme ça, moi je ne veux pas. Mon esprit ne me convient pas de partir avec vous. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle s'habille, son. Quand elle arrive là-bas, le gars demande toujours après moi. Il était le seul parmi leur groupe à demander après moi. Le gars demande toujours après moi. Elle revient toujours me dire. Elle dit que ah, ça c'est son problème là-bas. Il ne lui donne pas mon numéro. Elle dit que ok, oh, je ne peux pas lui donner ton numéro. Je lui ai dit que tu n'as pas le téléphone, mais il dit toujours que il te voit toujours avec un téléphone en main. Je lui dis toujours que c'est au téléphone de la mater. Il a même demandé au numéro là pour qu'il puisse t'appeler là-bas. Il dit qu'il veut causer avec toi par rapport à quelque chose. Et je dis que non, moi je ne veux pas. Ne lui donne pas mon numéro. Donc, bref, le monsieur demandait toujours bizarrement après moi, je comprenais rien. Après ça, un soir, je me suis lavé tellement que tout le monde était parti au restaurant là, parce que c'est là-bas qu'on passait souvent la soirée, on perdait le temps comme ça. Et tout ça, comme c'est une ville un peu, une ville où il y a beaucoup de militaires, une ville où il y a beaucoup de voyageurs qui s'arrêtent parfois pour manger tout ça là. Donc on perdait le temps jusqu'à 22h, 23h, on rentrait. C'est comme ça que un soir, tout le monde était parti là-bas. Et comme je me sentais seule, il n'y avait pas la lumière ce jour-là, je me suis habillée, je me suis lavée pour partir. Je suis partie, j'ai rencontré le gars là-bas au restaurant. Il m'a dit, que toi tu ne manges pas. Je lui ai dit que non, moi j'ai à manger parce que j'avais faim le jour-là. Parce que les filles n'avaient pas préparé à la maison. Comme j'étais encore étrangère, je ne pouvais pas toucher leur truc puisque je ne sais pas à qui appartient quoi. Parce que chacun achetait ses choses là-bas pour concocter. Donc les filles de ma tante là étaient trop. Elles étaient trop autonomes, donc chacun avait son petit business, faisait sa propre truc, ses propres choses. Elles achetaient les nourritures qu'elles voulaient préparer. Et celle de l'aéroport, là, elle ne perdait pas son temps à préparer. Elle partait toujours manger dehors ou au restaurant de ma tante. Donc j'étais même venue là-bas dans l'intention de partir aussi manger là-bas, puisque quand on ne prépare pas, on a droit à un plat au restaurant, c'est comme ça. Surtout quand tu es étranger. Je suis partie, du coup, dès qu'elle arrive, je trouve le monsieur. Il me dit que tu ne manges pas. Je dis que non, moi je ne mange pas, je n'ai pas moi faim. Et à manger, pourtant, mes intestins étaient en train de garouiller. Mais j'ai refusé. Après, il insiste toujours. Je dis que non, ça va. Je me lève moi-même, je pars servir le thé parce que ma tante servit le thé. Je mange avec quelques beignets là parce que j'avais vraiment faim. Est-ce que tu préfères manger le thé et le beignet que de manger la nourriture? Moi, je vais te payer un plat de nourriture. Je dis que non, je ne jeûne pas. Je bois le thé et le beignet parce que je veux boire, c'est tout. C'est pas parce que j'ai faim. C'est parce que je veux tout, juste boire. C'est quelque chose que je veux comme ça. Et je dis que, ah, ok. Il introduit les causeries. Quand il me cause, j'étais même pas trop par rapport à lui. Il me cause, j'étais pas trop par rapport à lui. Il a senti ça. Il a attendu une minute, j'étais fatiguée, je baillais. Ma tante me dit que, mais rentre te coucher, non. Il y avait même tes soeurs qui étaient venues ici avant toi, elles sont rentrées à la maison, tu vas les trouver, rentre te coucher. Elle dit que, ok, comme je suis fatiguée, je vais rentrer me coucher. C'est comme ça que dès que je me lève, le gars dit que attends, je t'accompagne, mon cœur fait bim.
et que tu m'accompagnes. N'est-ce pas que tu es ici, tu attends ta personne, pardon. M'accompagne pas, moi je connais la route, je vais rentrer seul. Il dit que non, lui-même il était en train de rentrer. On chemine alors un peu, il va couper la route et rentre chez lui. Ah, j'avais peur, mais je ne voulais pas un peu le refouler brutalement comme ça et puis devant la tante pour qu'elle puisse penser peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je me retenais un peu de lui dire que je ne veux pas. Et puis j'avais peur. Et comme ça, il me dit que non. Il insiste, il dit qu'il va m'accompagner. Comme il s'était levé, je me suis vite levé, j'ai avancé. Le gars a vite marché, pam, 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 pour venir me retrouver. Il était 23 heures passées ce jour-là, presque minuit. Et comme la route est un peu loin, parce que le restaurant est en bordure de route et la maison est un peu loin, bien au fond du quartier, c'est comme ça qu'il insiste à m'accompagner. C'est comme ça que quand on marche, j'entends un peu comme les sabots. Les bruits des sabots s'y viennent d'où? Est-ce que les bœufs ou les trucs, les animaux marchent la nuit? Je me retourne, je vois un peu par derrière, je ne vois rien. Mais quand on marche, j'entends les bruits des sabots. Il me racontait une histoire, là, j'étais même pas avec lui. Après, maintenant, quelque chose me parle dans la tête, quelque chose me dit qu'est un peu à côté, comment le bruit là vient un peu vers chez lui là, je quitte un peu à côté, dès que je baisse ma tête, je vois les pieds, maman, je jure devant mon Dieu, c'était les sabots, donc il avait les sabots jusqu'à un certain niveau là. Donc il avait le pantalon, il avait la chaussure au restaurant, mais tout ça s'est transformé en sabots. En bas c'était les sabots et en haut c'est l'homme. Comme on voit dans les films là, moi j'ai vu ça, je jure au nom de Dieu. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé. J'ai voulu fuir, j'ai voulu crier. Mais je me rappelle quand on nous racontait les histoires au village, on nous dit que quand tu vois quelque chose comme ça, ne crie pas, ne fuis pas. Parce que si tu cries, tu fuis. Soit il va te tuer, soit tu vas devenir fou. Donc j'avais vraiment peur jusqu'à je tremble et je tremblais. J'avais les tremblotes. Mais je faisais semblant de ne pas avoir peur. C'est là qu'il commence à me dire qu'il y a quoi? Je ne voulais même plus regarder encore par tellement j'avais peur. Il me dit qu'il y a quoi? Je dis que non, il n'y a rien. Il me dit que ah, c'est comme si tu as peur. Hein? Tu as peur de quoi? Donc il parlait déjà bizarrement, genre la peur montait, maman, et il n'y avait personne en route. Il n'y avait personne en route. Je dis que non, moi je n'ai pas peur. Je l'évitais, j'évitais même de le regarder. Il me dit, regarde-moi, regarde-moi. Je dis que non. Chez nous, on dit qu'on ne doit pas regarder les grandes personnes dans les yeux. Non, je ne peux pas te regarder. C'est un signe de respect chez nous. Il me dit que, ah, ok. Mais c'est comme si tu as peur de moi. Moi, je te racontais l'histoire là. Tu as bien écouté mon histoire. Je dis que tu racontais même quoi. Je suis un peu perdue dans mes pensées là, comme j'avais déposé mes dossiers quelque part jusque-là, je suis en train de tourner comme ça à la maison, ça me plaît pas. Et je dis que, mais je peux te trouver le travail si tu veux, mais sauf si tu n'as pas peur de moi. Si tu as peur de moi, ça ne peut pas marcher. Et je dis que, quel travail? Et je dis que, ah, si accepte d'abord, dès que tu acceptes, tu vas voir le travail qu'il va te donner. Ah, j'ai commencé à avoir peur, franchement peur, que je pouvais seulement pisser sur moi si j'avais envie de lui, mais non. J'urinais là, je ne vous mens pas. J'avais peur, même marcher là. Et il avait remarqué ça. Mais je faisais mine de ne pas avoir peur. Après, même quand je parlais, même, tu sentais les tremblements dans ma voix et tout ça. Après, il me dit que, ah, moi, je peux te trouver le travail et tout ça. Je lui dis que, ok, on verra. Demain, on va causer demain. Comme on est en train de marcher, là, on marche doucement. Marche un peu vite, j'ai vraiment, vraiment sommeil. Je peux tomber comme ça et m'endormir. Il me dit que, ok, marchons alors vite. J'entends toujours les bruits de sabots. Il y avait souvent une maison là qui était fort éclairée en ce moment. Et la maison là est à côté d'une petite clinique. Donc, je lui ai demandé de passer. J'ai pris le risque de passer vers le raccourci. Parce que si on prenait la grande route encore, on devait encore plus tarder. Et j'avais l'air trop peur. J'ai dit que passons un peu vers où il y a la lumière là. Il me dit que ok.
passons là-bas, là-bas. Mais pourquoi tu veux passer où il y a la lumière? Il dit que non, je veux seulement passer là-bas pour vite arriver. C'est le raccourci. Il dit que ok, allons-y. On part, on part. Après un moment, on va arriver vers la lumière. Le gars attrape ma main comme ça. Il attrape ma main et comme il avait les grosses mains, il attrape ma main. Je dis, aïe, ma paille est arrivée aujourd'hui. Oh, peut-être c'est mon jour. Ah. Après maintenant, quand il arrête ma main, il dit que pourquoi tu arrêtes ma main comme ça? Il dit que non, je veux te parler. Depuis là, tu ne me regardes pas dans les yeux. Je dis que ouais, laisse-moi d'abord. Même si tu veux que je te laisse-moi d'abord, non. Avançons parce que j'ai sommeil. Si tu veux me parler, parle-moi demain. Tu ne peux pas me parler maintenant. Laisse alors ma main. Ouais, tonton, laisse alors ma main. Il dit que toi, tu m'appelles ton tonton là. Depuis là, je suis ton oncle. Est-ce que je suis ton oncle? Tu vois qu'il ressemble à ton oncle. Je l'évitais du regard, franchement, le jour-là. Parce que j'avais peur de découvrir encore quelque chose de pas normal sur lui. Il n'y avait que sa main qui était posée sur ma main là, que je regardais, mais légèrement, il voulait même plus baisser mon visage à terre pour regarder ses pieds de sabot là. C'est comme ça qu'il lui dit, je prie, et je priais en même temps dans mon cœur, je priais dans mon cœur. Il dit que, ok, quand je priais, c'est comme si ça l'influençait. Après, il m'a lâché brusquement. Il dit, ok, il me lâche brusquement. C'est comme ça qu'il dit qu'on peut avancer. On avançait, pam, 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 on avançait. Dès qu'on arrive vers la maison, il y a fort la lumière là. Jusqu'à le long de la maison, là, jusqu'à le centre de santé là, il y avait toujours la lumière. C'est comme ça qu'il dit que, ouais, attends-moi un instant. Dès que je lui dis que attends-moi un instant, maman. Il dit que tu veux aller où? Je dis attends-moi, j'étais là devant. Quand il dit ça, il était là devant. J'ai même eu l'impression qu'il voulait me suivre à un moment. J'ai commencé à courir sans regarder derrière. Je sentais sa présence derrière. J'ai commencé à courir comme il y avait la lumière. Je sais que les trucs bizarres comme ça n'aiment pas souvent montrer leur apparence dans la lumière. D'après ce qu'on me racontait avant, c'est comme ça. J'ai commencé à courir, papa. Ah, j'ai commencé à courir. Dès que j'ai couru, je suis seulement entré brusquement dans le centre de santé, la femme. Et comme on connaissait ma soeur là-bas et on nous voyait marcher ensemble. Et elle a dit que c'est comment. J'étais tout essoufflée et je transpirais. Pourtant, il faisait froid en ce temps-là. On me dit que c'est comment. Il y a un problème. Tu ne te sens pas bien. Il y a quoi? Assieds-toi. On m'arrête. Assieds-toi. Donc, j'étais tellement essoufflée. Je ne parvenais pas à parler. C'est après, au bout de 45 minutes, que je raconte l'histoire là aux infirmières qui étaient là-bas. D'autres riaient, d'autres ne prenaient pas ça au sérieux, d'autres riaient, d'autres me regardaient bizarrement. Après, j'ai attendu un infirmier là, qui connaissait bien la maison de ma soeur. Là. Je lui ai dit que tonton, pardon, accompagne-moi à la maison. Il me dit que mais la maison est tout proche, tu veux qu'elle t'accompagne comment? Tu as toujours peur de ton histoire là, il rit. Donc, tous ne prenaient pas au sérieux. Je lui ai dit que oui, pardon, accompagne-moi. C'est comme ça qu'il m'a accompagné. Il m'accompagne. Arrivé à côté de la maison, on revoit le monsieur, on ne sait même pas par où il est passé, où il a repris la grande porte, où il est passé par où, on revoit le monsieur. C'est comme ça que j'ai la blouse de dire, hey, ton gars que tu as dit qu'il a le sabot, les sabots en bas là, il a dit que oui, voici mon gars. Et, mais moi je ne vois pas le sabot, il torche le gars, lui n'avait pas peur. Et on dit très souvent, parce que avec le temps, moi-même, je suis devenue infirmière. Donc, il porte la blouse. La blouse le protège dans notre jargon de la santé. Pour ceux qui ont fait la santé confinée, donc, la blouse nous protège de beaucoup de choses. Parce qu'en milieu hospitalier, il y a tout le monde qui vient. Il y a même parfois les esprits et tout ça. La blouse nous protège. Et heureusement que ce monsieur avait la blouse. Il a torché. Et le monsieur était là, normal, toujours avec ses gros chaussures-là et les gros pieds bien géants. Il me dit quand même que, il me souffle en patois. Il me dit que, comme il parlait le patois, là, il me souffle en patois. Il me dit que, le gars, s'il a vrai, il est bizarre quand même. Mais il n'a pas quand même les sabots. Tu as dû peut-être halluciner et avoir peur. Je vais rester avec vous jusqu'à ce que les gens viennent. Je dis que je crois qu'il y a d'autres dans la chambre. En cognant
La charmante était sur la con quand il a chambré. C'est comme ça que d'autres de mes cousines sortent. Quand ils sont sortis, je leur ai dit que ah, c'est bon, comme elles sont à la maison, tu peux rentrer. Le monsieur était là, sur la cour. Il était là, il est resté, resté jusqu'à ce que ma tante ramenait déjà certaines choses de son restaurant dans le pouce. Et c'est comme ça que j'ai suivi comment il a salué ma tante. Elles ont causé, ah, tu fais quoi ici? Alors, si, je dis, ouais, j'ai ramené ta nièce. Ma tante, je dis, ah, merci beaucoup. Pourtant, même, il ne m'avait même pas totalement ramené, mais il dit à ma tante, il dit tout simplement à ta tante que j'ai ramené ta nièce. Ma tante, je dis, ah, ok, merci. C'est comme ça que ma tante, entre, on ramasse les choux, la son classe, on a dormi ce jour-là. Le lendemain matin, papa, j'ai pris la poutre d'escampette pour rentrer chez nous. Avant de revenir encore là-bas dans le petit village de ma tante là, j'avais d'abord juré, hein? J'avais d'abord juré, question de bien digérer l'histoire. Mais je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Et Dieu seul sait ce qu'il pouvait ou il voulait me faire ce jour-là. Donc, voilà l'histoire. Waouh! Quelle histoire! Oh, tu commences! Dites-moi ce que vous en pensez.